40 millions de Vélib sont loués chaque année à Paris. Peut-être les avez-vous remarqué, voire utilisé. Les voitures ou les vélos également, tous ces transports en libre-service représentent une alternative assez séduisante aux transports en commun. Mais voilà, malgré leur popularité, ces services ne rapporteraient pas du tout d'argent. Et pire, ils coûteraient très cher aux contribuables. Alors quel est le bilan de ces modes de transport? Question conso aujourd'hui de Vincent Giraldo. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta... Il s'appelle Bluely à Lyon, Blue Cub à Bordeaux ou tout simplement le vélo à Marseille. Plus de 25 villes en France proposent un service de transport en libre-service. Mais Paris est la seule ville au monde qui compte 4000 véhicules électriques en libre-service dans un périmètre si petit. Dans Paris Intramuros, il y a en tout 700 stations autolibes, soit 3 fois plus que des stations de métro. Une vraie prouesse technologique, mais pas forcément économique. Avec le temps, il semblerait, d'après les déclarations du groupe Bolloré, qu'on n'est pas du tout à l'équilibre, voire il y aurait peut-être une perte cumulée à 180 millions d'euros. Et puis, quand on observe les usages, on se rend compte que les usages baissent. Il y a de plus en plus d'abonnés, mais les abonnés utilisent de moins en moins individuellement ces véhicules. Et avec cette demande plus forte, certains utilisateurs n'arrivent plus à trouver de place libre pour se garer à l'arrivée. Résultat, en prenant les chiffres officiels, comme on peut le voir sur ces graphiques, le nombre de locations d'Autolib a baissé depuis 2 ans, alors que le nombre d'abonnés, lui, a continué d'augmenter. En clair, le service arrive à saturation. Au début, vous étiez content, vous aviez le véhicule quand vous voulez, où vous voulez, et vous le preniez par réflexe. Et puis, quand il y a eu plus d'abonnés, il y a quelqu'un d'autre qui l'a voulu en même temps que vous, donc vous l'avez utilisé moins. Comme vous avez été échaudé 3 fois, et ben, vous oubliez la 4e fois d'y aller. Plus il y a d'abonnés, semble-t-il, au moins il y a d'usage, parce que ça crée des frustrations d'usage. Et c'est sans compter une nouvelle concurrence. Depuis 2009, les VTC se sont multipliés. Plus simple à l'usage, bien que plus cher. 1 km en autolib revient à 1 euro, quand la même distance revient à 2,50 euros en VTC. Alors maintenant, qui va payer pour le déficit d'autolib? Le groupe Bolloré s'est engagé à hauteur de 60 millions d'euros. Reste donc à charge 119 millions d'euros pour la ville de Paris. Autrement dit, les contribuables. En revanche, d'autres villes comme Lyon ou Bordeaux nous assurent que ces services ne coûtent rien à la municipalité, car ce ne sont pas les mêmes contrats. Mais qu'en est-il d'un autre service bien connu, les vélos en libre-service, présents dans 38 villes en France? Depuis le lancement de Vélib, donc depuis 2007, dans tous les cas, la ville a été bénéficiaire. C'est-à-dire que le service, comme nous l'avions annoncé dès l'origine, n'a strictement rien coûté aux contribuables, puisque chaque année, entre les dépenses et les recettes, la ville est systématiquement positive sur le sujet. Sauf que ce n'est pas vraiment ce que dit l'audit de l'inspection générale de la ville de Paris, qui estime que le Vélib a coûté près de 90 millions d'euros depuis 2008. Car ce qui n'avait pas été anticipé, c'est le coût des dégradations. Chaque année, sur les 19 000 vélos, 5 000 deviennent inutilisables. Un gouffre financier. Un seul vélo coûte jusqu'à 4000 euros par an à la ville. Alors ailleurs, comment cela fonctionne? Nous avons des contrats indépendants les uns des autres, qu'il s'agisse de Paris, de Lyon, de Marseille, de Nantes. Ce sont des programmes avec le même modèle. La publicité finance le service et comme toujours, nous raisonnons par contrat. Mais comme nous sommes une entreprise cotée, nous ne pouvons donner les chiffres détaillés par contrat. Des contrats et des montages financiers complexes dont certains arrivent à leur terme, comme à Paris. Un nouvel appel d'offres est lancé pour gérer les Vélib. Reste à savoir quelles seront les nouvelles conditions. Mais pour cet économiste, ce n'est pas vraiment possible d'avoir un service public rentable. On a mis en avant le fait que les systèmes de location en libre-service sont déficitaires. Je pense qu'il vaut mieux dire qu'elles demandent un effort public. D'ailleurs, les transports en commun, globalement urbains, demandent un effort public. En réalité, l'usager paye moins de la moitié de son ticket. Mais parce que c'est nécessaire d'éviter la congestion et d'appuyer le fait qu'il y ait moins de pollution. Le marché ne va pas prendre ça en compte. Et il faut pas, on ne va pas marchandiser l'air, ce serait de la folie. Être rentable dans un service de transport à grande échelle est difficile aussi pour les autres acteurs entièrement privés. Deux autres poids lourds internationaux, Zipcar et Communauto, eux aussi présents en France, ne gagnent toujours pas suffisamment d'argent. Fabien, on soulève ici les difficultés qui sont rencontrées notamment à Paris. Il y a beaucoup de services de transport en libre-service. Bien sûr, je suis très étonné. On va voir qu'il n'y a qu'à Paris qu'il y a des Vélib, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y en a dans une trentaine et peut-être plus. Il y en a de plus en plus dans chacune des villes. Avec pas les mêmes problématiques, mais oui.
Mais quand même, à Lille, alors c'est des noms bizarres, c'est pas Vélib. Hein. Lille, c'est Vélil, il y en a à Lyon, c'est le Vélové, à Grenoble, à Montpellier, tout Vélove. Le monde. Vélové. Vélo, oui, Vélové, j'appelle, tu permets, j'appelle le nom, Maya. Oui, mais tu as raison, c'est mieux comme ça. Ouais. Bref, il y en a absolument partout aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Paris. Bon, il y a un grand défaut, c'est vrai, qui est reconnu, c'est le fait qu'on ne trouve pas toujours une station où garer notre vélo, par exemple. Il y en a qui ont trouvé la solution à ça. Exactement. En Chine, ils ont en fait créé une application GPS de vélo partage. Et ça, c'est vraiment le truc qui est très intelligent, c'est qu'il n'y a plus de bornes. C'est-à-dire qu'en fait... Plus de bornes du tout. Plus de bornes du tout. On a son application, on trouve un vélo n'importe où, on va passer le code avec son appli qui va décadenasser le cadenas. On prend son vélo, on roule et on le dépose n'importe où, pareil, et on recadenasse. Évidemment, l'argent est décompté directement sur son appli. Et c'est pas très cher, c'est moins de 20 centimes de l'heure. Et c'est Mobike et Ofo qui développent cette appli. Et c'est vraiment la solution un petit peu de l'avenir. Il faut, et oui, et il doit y avoir des pertes hein, quand même. Hein, parce qu'on a vu que ça arrivait aussi avec les Vélib, là. Où on peut en retrouver dans le canal. J'imagine que si tu peux le déposer n'importe où, tu peux aussi le déposer dans le canal. Quoi. Dans le canal, c'est l'avantage. Oui, ça c'est... Mais ce qui est bien, c'est que vraiment, on peut le trouver n'importe où, comme c'est géolocalisé. Ça, c'est l'avantage. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a développé à Paris une application aussi, mais pour les scooters électriques. Ça s'appelle City Scoot. C'est le même principe avec une application. On a un code qu'on met sur le scooter une fois qu'on nous a indiqué l'endroit où était le scooter, bien sûr. Et là, ça va débloquer la selle. À l'intérieur, on a un casque, on a aussi une charlotte. On part avec son scooter et on peut le déposer n'importe où. Ça existe déjà, ça. Ça existe déjà. C'est à Paris, c'est en train de se développer en province et même en Italie, à Turin et Milan. Mais c'est vrai que ce serait bien. Comme ça permettrait peut-être d'avoir le nombre d'abonnements et d'utilisateurs qui soient au même niveau. Et à nouveau, que ça soit corrélé, contrairement à ce qui était dans le sujet. On parlait de ces 5000 vélos à Paris, en tout cas sur les 19000 qui étaient dans la nature, justement, chaque année, Gérard. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident ou de dégradation aujourd'hui sur les assurances? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas Vélib qui est assuré. C'est-à-dire, quand vous utilisez un de ces vélos, c'est vous qui devez être assuré. Alors, il y a deux possibilités. Si vous avez un accident de votre fait, la seule assurance qui fonctionne, donc pas celle de Vélib, c'est l'assurance responsabilité civile. Donc, il faut espérer que votre assurance habitation n'exclut pas l'usage de deux roues. Donc, vérifiez, ce n'est pas automatique parce que vous avez une assurance habitation, que la responsabilité civile est étendue aux accidents de cycle. Donc, ça, c'est le premier problème. C'est pour les accidents. Le deuxième problème, c'est pour les vols éventuels. Si vous êtes victime d'un vol par agression, vous allez déposer plainte, vous allez au service compétent de la ville de Paris donner le justificatif de plainte, vous n'aurez à payer que, si j'ose dire, 35 euros, mais un forfait à votre charge. Si par contre, c'est un vol dû à votre responsabilité en partie, vous avez laissé le vélo devant un magasin, vous négligence, êtes rentré, vous êtes ressorti, négligence, le vélo n'est plus là, 150 euros à votre charge. Ah, il vaut mieux dire qu'on s'est fait agresser. Voilà. Et le problème, encore c'est que comme bon vous ne ramenez pas le vélo, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas la location, c'est vous qui êtes censé être titulaire du vélo jusqu'à ce que vous ayez signalé qu'il vous a été volé. Donc sur ce plan-là, c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à une assurance collective, c'est un peu injuste. Bon, on voit bien qu'il y a plein d'axes de progrès à faire pour les années Alain, à venir. À Versailles, il n'y a pas encore les calèches libres, tout ça, vous n'avez pas sorti ça? Non, nous avons un petit train qui est très efficace. Nous avons eu des promenades à cheval, nous avons des vélos, des systèmes de location de vélos. Mais voilà, donc ce sont des plaisirs à Versailles. Voilà. Et j'espère un jour les chaises à porteurs, ça aurait beaucoup d'allure. Tu as la tienne. Alors moi j'ai la mienne. Voilà. Elle est garée là. Ouais. Voilà, elle est devant. Ils t'attendent dehors. Oui, ils sont très heureux d'ailleurs. Ben oui. Alors, ils sont sympas, ils sont fatigués. Il faut qu'ils courent. C'est ça. Bon, allez les gars. Tu les fatigues. Hein.